Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses droits à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel, compassion de ceux qui le craignent. Alléluia. Bien-aimé, que la paix, mon Dieu, amen. Ma pas tout réalisé, alors que nous sommes comme ça, on comprend que ça y est, mon Dieu investit dans lui et qu'il ait conscience du fait que mon Dieu investit dans lui, qu'a écrit en somme comme ça. Quand on réalise ça, tous ces mots qui apprennent comme ça ou qu'on récite, qui récite la crécité, seul le monde qui comprend que mon Dieu investit dans lui, qu'a récité comme ça pour le rentrer dans profondeur comme ça. Combien de monde mon Dieu investit dans le matin là? Il y a trois mondes qui le veulent. Combien de monde mon Dieu investit dans le matin? Ou bien elle va comprendre comment investissement il est. Sous là, c'est parce que mon Dieu investit dans vous. Mais qui s'en vient, elle n'est pas comprendre. Qui est-ce qui va être la vie? Dans qui est-ce la vie sortie? Sous là matin, c'est parce que mon Dieu investit dans vous. Investit dans vous. Moi-même, mon Dieu investit dans moi. Mon Dieu investit dans moi. Et si vous avez fait enquête matin dans salle là, vous me demandez chaque monde d'un témoignage là. Ou quoi loin d'un témoignage ou qui qualité d'investissement mon Dieu fait dans vous? Ça fait matin, on va loin. Dans l'économie de Dieu, le bon Dieu fait qualité d'investissement ça dans vous. Ou pas qu'à marcher dans l'évangile, bail que bail. Vous vivez beau avec moi. Nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce qu'on comprend la qualité de Dieu matin? Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 16. Nous allons lire deux versets. Verset 24 et verset 16. Matthieu chapitre 16, versets 24 à 16. Et je vous invite à vous lever. Par respect pour la parole de Dieu, nous allons lire ces deux versets. Matthieu 16, versets 24 à 16, à 26. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Merci bien-aimé, vous pouvez vous asseoir. Notre Dieu, notre Père, merci de ce qu'il t'a plu, Seigneur, de nous appeler encore une fois durant de cette chaîne pour partager ta parole. C'est vous-même seulement, Seigneur Dieu, qui mettez parole dans notre cœur, et c'est cet esprit seulement qui habilite vous de parler dans vous. Que la chair et le sang soient brisés au nom de Jésus en ce moment. Que des cœurs, Seigneur Dieu, soient ouverts pour recevoir cette parole en ce matin, pour la gloire de ton nom et pour l'édification de ton Église. Amen, amen. L'économie de Dieu. L'économie de Dieu. Le mois dernier, j'ai eu une chance et le privilège, bien aimé, pour te partager avec vous une parole sur la volonté de Dieu.
la volonté de Dieu. Je dis à mon cœur pour partager avec vous l'autre parole, l'économie de Dieu. Mon dit, suivez avec moi avec pile attention. Je vais essayer le plus possible pour ne pas arrêter trop long. Cependant, il est important pour nous, ouais, côté nous parler, maintenant dans le message, dont Dieu mettait sous cœur. Le terme d'économie, il est venu de la combinaison de deux mots grecs. Premier mot, c'est oikos, qui signifie maison. Maisonné, ajoute pas, petite maison. Deuxième mot, c'est nomos, qui signifie loi, règle ou norme. Et donc, quand on parle de l'économie de Dieu, sans le comprendre, on parle en réalité de la loi de la famille de Dieu. On parle de la loi de la maison de Dieu. C'est la gestion de la famille de Dieu. Pouvons-nous nous faire partie de la famille de Dieu ou de sa maison, ou encore dans le langage que Jésus avait utilisé, du royaume de Dieu, bon loi qui est établie, faut qu'on suive. Ou pas qu'on voulait faire partie de la famille de Dieu et pour négliger la loi de cette famille. Si même vite on l'a caillé moins, ou obligé, coubé, ou plié, ou en bas loi, moi mettez la caillé moins dans la façon de diriger. Si me dit la caillé 11h du soir, tout le monde suppose en dedans caillé. Ah ben c'est loi la caillé moins. Loi la caillé ou a fait ça fait bon, mais la caillé pas maintenant que paye à la jeune poche moyen, ou obligé, plié, ou en bas loi. Ou pas qu'à venir à loi la caille bon ou venir exécuter la caille pas. T'as un petit problème. Chaque monde gagne, caille bon. Chaque monde grand monde la caille. L'on caille monde ou obligé de plier à loi caille monde. Eh bien, dans la famille de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a une loi qui fixe. Ou pas qu'à rentrer dans la famille de Dieu sans pas prêter attention à sa loi dit. Et on va voir avec Matthieu dans l'économie de Dieu, il y a deux aspects qu'il faut bien saisir. Gagner ça, mon Dieu fait, la manière dont Dieu s'est dispensé à l'homme, l'ibaïli pour monde, Dieu a administré son plan de salut pour les hommes. Donc, à travers sa faillon, il établit maison, il établit carrément. Il y a des gens qui ont accepté Jésus par le choix que ont même choisi Christ. Ou pas choisi Christ, c'est Christ qui choisit. Quand on est, on parle contre mon Dieu, c'est mon Dieu qui est. Il n'est donné à personne de venir à Christ si d'abord Christ ne l'attire à lui-même. C'est Christ qui a attiré moi-même avec moi lui-même. Donc, première chose qu'il fait avant de réveiller nous chacun là, il bâtit des eaux. Si je m'invite au lac à moi, le premier bagage, je me suis assuré que je me suis assuré que mon caille. Je vais m'invite au lac à moi, je vais m'invite au lac à moi, je vais m'invite au lac à moi, je vais m'invite au lac à moi. Christ établit sa maison. Donc, dans l'économie de Dieu, premier aspect pour comprendre, pour bien comprendre, Christ établit caille. Comment le faire? Il s'est donné pour l'humanité. Moi-même, avec vous, nous t'ai perdu. Séparation totale entre nous-mêmes avec mon Dieu. Nous t'appelons dans la direction perdition. Christ vient, il établit pour moi, il crée Kaïla. C'est le premier aspect de l'économie de Dieu en Jésus-Christ. Il établit un royaume, il établit une maison, il établit une famille. Deuxième aspect de l'économie de Dieu, une fois que maison est établie, qu'on y a le plan fixé, les conditions pour devenir membre de cette famille. Il peut fixer les conditions pour devenir membre ou bien pour entrer dans sa maison. Bon Dieu fixe les normes. Et les normes sont claires. Pas qu'il n'y a pas sa côté, pas qu'il n'y a pas moi. Si vous voulez faire partie de la famille de Christ, vous voulez respecter. Non, Dieu. Jésus dit, je vais le casser moi, mais ça me va le faire. Je vais créer pont entre les hommes et mon Dieu. Dans le passage de ce client, comment faire ça? La parole de Dieu nous dit, Matthieu, le chapitre 16,
son passage, il empile, empile parole là-dedans. C'est dans le passage ça, le songer, côté Jésus va poser ses disciples aux questions, il va le dire, qui est-ce mon dimoyer? Si on va commencer par la réponse, il y a des gens qui trouvent ces gens, il y a des gens qui disent où c'est un prophète, où c'est Moïse. Et plein de toutes questions, ça y est. On y a le droit de dire les questions sur les disciples directement et nous-mêmes. Qui est-ce mon dimoyer? Et nous songer, confession de Pierre, confession qui va venir de la chair. Pierre va dire, ou même c'est Messie. C'est Messie, un monde qui était pour venir. Le Christ. Le fils du Dieu vivant. Belle bagarre. Un peu plus bas, Christ parle, raconte à monsieur Yo comment lui est monté, on le voit encore Jérusalem. L'on a bien feuilleté la parole de Dieu, on va comprendre que Christ fait trois voyages à Jérusalem. En tout cas, trois voyages et l'évangile rapporté. Premier voyage, c'est le petit monde, 12 ans. On l'a cherché, le jeune Michita, notre grand père, qui est gauche à droite, à parler des affaires de Dieu. Première fois, aller à Jérusalem. Deuxième fois, Jésus monte à Jérusalem. C'est l'heure où entre notre plan. Regardez, il joue une comme utiliser la maison de Dieu. Pour faire commerce, pour les affaires, vous en faites pas. Ah bien, les gars, il est en pile matinette. Les gars, en pile rivoise. Parce que je dis, la maison de mon père sera une maison de prière. Et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Si Jésus t'a tourné là. Eh bien, troisième fois Jésus monte à Jérusalem, c'est le salut qu'elle raconte d'ici que le bras dit, il faut monter à Jérusalem, parce que nous devons accomplir, sa papa nous était déjà décidé. Il va dire, Pierre avec d'ici il faut qu'on aille à Jérusalem pour mourir. Et va dire, oh, maître, non, ça nous était dans les livres, pas de bagages mourir pour Messia. Ou pas qu'à mourir. Jésus va dire, arrière de moi, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Plan mon gain, hein? C'est pas plan mon Dieu lié. Moi-même, moi, venu pour m'accomplir la volonté de Dieu. Mais plan à plan. Ou qu'a fait plan? Mais plan mon Dieu, il était le plan de Dieu. Amen. En passageant, Jésus fait une classe et bien détenue chez nous, on lit. Il peut commenter. Dans verset nous sommes là, ça le saute dire. Amen. Verset nous lions, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En d'autres termes, Jésus dit Pierre, ça c'est voir mon grand, c'est voir la mort la plus ignoble. Moi qui puis héros t'éteigner dans l'époque là. Quel que soit le monde qui veut venir après moi, moi tracer voie, on ne va pas dire l'autre voie. Le monde qui veut venir faire partie de la famille de Dieu, le monde qui veut rentrer dans le royaume de Dieu, où il y a trois bagailles où il y a pour faire. Le premier principe, c'est le principe du renoncement à soi-même. Ou pas qu'à venir vouloir suivre mon Dieu, rentrer dans la famille de Dieu, et pour toujours attacher à même monde où tu es hier, ou pas renoncer à son hier. À tout même gros l'estomac là, à tout même gros l'orgueil là, on pense au cas suivre Jésus. Si tu n'es pas dans le renoncement, tu ne peux pas suivre le Seigneur Jésus. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'on est dans l'économie de Dieu, mais tu sais combien économie il y a de l'aspect. Mon Dieu établit qu'à l'homme, il fixe ses lois. Il y a une manière où vous pouvez comprendre, la loi n'a pas changé. Même la loi, mon Dieu était établi hier, là, c'est même la loi qui est là, aujourd'hui. Pardon, l'autre façon pour venir chrétien. Pardon, l'autre façon pour suivre Christ. Pardon, l'évangile adapté au 21e siècle. Pardon, l'évangile adapté aux États-Unis. Par contre, l'évangile pour l'Occident et l'évangile pour le Moyen-Orient. La parole de Dieu me dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, chapitre verset, 13, verset 8. Pas dit, un yé qui sortit dans la parole de Dieu.
Avec une question dans l'église, l'évangile là, l'église mélangée. C'est comme si nous avons l'évangile qui était bâillé depuis tant à Podio, son évangile qui dépassait, il faut qu'il actualise. Soit regarder autour de vous ce qui s'est passé dans l'église de Jésus-Christ. Ou comprendre que longtemps déjà, l'église là, les virées d'eau, by fondation à Podio, fondation Christ lui-même, la pierre angulaire déposée. Mon Dieu a fait pas eu à régler avec l'idée. Mon Dieu a fait pas eu à régler. Fondation à Podio, ce n'est pas l'évangile, ça a prêché encore. Vous voulez nous dire qui l'évangile qui a prêché? Mais l'évangile va délivrer, va prêcher quand même. Vous voulez nous dire qui l'évangile qui a prêché? Ah ben, l'évangile, c'est volonté de Dieu pour remplir l'argent. L'évangile, renonciation à soi-même, non? On va attendre encore. On ne va pas aller content, on va pas laisser la parole de Dieu dire. L'évangile, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, non? L'évangile, ça, c'est l'évangile arriéré. C'est l'évangile peut-être Moyen-Orient, c'est l'évangile n'entend longtemps, où il y a mon évangile Facebook, mon évangile tout coule chaud cuit. La loi de Dieu, l'économie de Dieu n'a pas changé. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Ça fait moi-même, arrivé aux États-Unis, Dieu seul sait pour combien de temps encore. Mais je ne vais pas l'évangile mélangé à personne. Sous l'évangile, même pas pour le côté de ma vie. L'évangile, même côté lié, c'est dans la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de prendre combien de temps pour faire la vie des États-Unis. Je n'ai pas besoin de prendre dans quelle culture on va vivre. Moi, on est un bagage. L'évangile de Jésus-Christ, il transcende toute culture. L'éternel, la parole de Dieu, il dit pas qu'on n'y a pas qu'à changer la dent. Sans ne pas accomplir la volonté de Dieu. Ma bonne évangile États-Unis vient m'en venir prêcher. Ma bonne évangile pour m'adapter à public qui veut vendre. Bon Dieu parle de tout ça. Bon Dieu investit trop dans moi pour ces évangiles, ça me vient prêcher. Bon Dieu investit trop dans moi. Pas de temps. Pas de temps pour l'évangile, ça me songe l'homme de pitié. Papa, ma maman, t'es bon abonnement lettre. Abonnement lettre là, c'est, alors dans notre côté chrétien, c'est dans Cité Soleil, mais nous pas pour loin de la plaine. T'es grand pile vache. Alors, il y a des gens qui te vont faire promesse, vendre lettre. Il y a le pigé lettre là dans la vache, non? Et puis, on vient vendre nos lettres. Chaque matin, on va à l'école, il faut nous dire bonjour, vers lettre. Eh bien, dans le monde qui a vendre lettre, t'es bien quelques commerçants. Ils prennent plaisir à mélanger les plats. Ils mélangent les plats. Ils diluent. C'est vrai, les plats ont plus d'argent. Mais on même pas boire les plats, on va bien mélanger vraiment à monde qui boit les plats condensés. Les sans mélangeant, les cantigeants font. Ou qui doit même dire des petits odeurs vaches là. Mais j'ai vraiment là-bas au moins. Ce n'est pas même bagaille à l'aide qui mélange. Hein? L'aide glololo. Et les chrétiens, c'est chrétien, l'aide glololo. Il n'y a pas qu'à prendre l'évangile là encore. Il y a besoin de l'évangile divin, il y a besoin de l'évangile mélangé. Il y a besoin de l'évangile qui dit au bon Dieu à délivrer. Toute la journée, toute la nuit, ils sont jeunes pour délivrance. Quand l'évangile renonciation à soi-même, non. Quand l'évangile mourit pour être roi, pour vivre pour Christ là. Quand l'évangile s'affaire, vous pensez que c'est une question de culture? Vous pensez que c'est une question de pays? Regardez la parole de Dieu, c'est pas Samuel Adam. C'est le maître lui-même qui parle. Si quelqu'un veut venir après moi, s'ouvre les suivants, mais ça va vous faire. Regardez la noir sur blanc. S'ouvre les suivants, c'est pour oublier, propre tête. En Haïti, bon terme, il y en a même utilisé. C'est. En termes d'Haïti,
utilise déjà le sinon intelligent. Le autre mot intelligent, ou même on t'apprend c'est intelligent, son bon bagage. Tiens, monsieur, intelligent. Intelligent. Soit on t'a dit que vous êtes intelligent comme ça, c'est bon pour moi, je dis. Si intelligent, les cas fait un mauvais coup de mal taillé, cas trompez-vous. À même moi, je dis. Il y a des gens qui prennent l'église dans d'assaut, ce n'est pas qu'être intelligent. Nous prenons l'église de Jésus-Christ d'assaut. Pour qu'ils soient connus. Parce qu'ils comprennent que les chrétiens qui ont cherché l'aide, l'eau. Bon offre, bon demande, ils ont même bien fait offre là. Tout le monde qui a cherché le miracle, vient pour le miracle. Ce n'est pas des miracles pour rien. Pour nous, nous chutons à l'évangile. Quand il y a là, c'est nous qui avons bon l'aide, l'eau. Ou dans l'évangile enfant, ou comme mon Dieu passé, mais puisque vous n'avez pas la santé, si vous cherchez délivrance toute la journée, toute la nuit, il y a bon l'air, ou pas besoin de répondre, pas besoin, même si vous ne pouvez pas répondre, prêcher la parole de Dieu. Pas besoin de répondre. Nous avons déjà mon Dieu investi dans moi. Nous avons compté pour sortir, nous avons compté mon Dieu par la mer. Nous avons compté pour sortir, nous avons compté mon Dieu par la mer. En l'évangile, quand les gens ne peuvent pas pour souffrir pour la cause de Dieu encore. En l'évangile, c'est comme si on t'a de cliquer droite et puis tout le bagage est sous la roulette. La parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés, dans l'économie de Dieu, il y établit son rang. Elle fixe les normes, les règles de la maison. Vraiment, quand il dit ça, quand il dit, mais espérons l'en acheter. Ancien cheminant. Li bon pour moi. C'est là que Christ est passé pour mener le côté bon Dieu. Ancien cheminant, li bon pour moi. M'a marché, non, ancien cheminant. Li était bon pour Paul Axilas. Li était bon pour Paul Axilas. Li bon pour moi. L'évangile des apôtres, le fondement des apôtres. Quand nous lisons dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 2, versets 18 à 20, la parole de Dieu nous dit qu'à part lui, Jésus-Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Et sinon, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Vous avez été édifiés, vous avez dit, bon Dieu, construis la vie, nous, en tant que chrétiens, sur le fondement des apôtres. Et qui est-ce qui pierre angulaire là? C'est Jésus-Christ lui-même. Quel que soit l'évangile, vous attendez, qui pas chuté à l'évangile ça, ni anathème. Est-ce que les gens avaient? Il y a anathème. Fondement des apôtres, fondement des prophètes, je ne parle pas des apôtres avec qui il est, non. Je parle de prophètes avec qui il est. Je parle des apôtres, ceux-là qui ont vécu avec le Seigneur, qui posaient fondement et crissaient Pierre angulaire dans les mains. Dans 1 Pierre, chapitre 2, mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit au verset 1er et 3, rejetons toute malice, rejetons toute ruse. Vous qui dites ruse, vous avez malice cachée, ça vous dit à faire, c'est pas dit à faire. Il y a point où libre sous le bon Dieu. Il y en a qui parlent pour une voix, monsieur l'Esprit. Rejetons toute malice et toute ruse. La dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Ouais, avec qui les gens, les chrétiens chicata dans l'église. Nous ne pouvons pas prendre bon lait. Le baguette est vrai.
n'ont pas une maturité spirituelle, ils ont trop mauvais lettres, trop violettes mélangées, trop violettes glololo. Pour grandir spirituellement, pour grandir dans le salut que tu as obtenu gratuitement, il faut qu'on prenne un bon genre d'être pur, bon genre d'être spirituel. Prenez moi-même, moi, son jeune garçon qui a prêché l'évangile par la grâce de Dieu. Appelle mon Dieu, t'es sous la vie. Depuis très jeune, accepté le Seigneur, baptisé à l'âge de 17 ans. M'a suivi, m'a grandi dans la parole de Dieu. Nous vont là pour comprendre que pas grand rien qui a étonné dans mon temps. J'ai l'impression de voir toute bagaille déjà. Comme mon poète dans sa lame, un poète qui t'a dit, il s'appelle Terence, je suis homme et rien de ce qui est humain n'est étranger. Moi, toute bagaille. Richesse pas moi-même. Richesse pas fait mon peuple. Je travaille dur, je crois dans le travail. Je n'ai pas pris les principes bibliques pour gérer les financements normalement selon les principes bibliques. Je ne vais pas mettre des chapeaux pour côté pas de coquer, je fais crédit pour crédit à péter fiel. Moi, je fais toute vie, je paye crédit seulement. Je vais essayer autant que je suis capable d'appliquer les principes bibliques. Sinon, processus, non, c'est volonté pour Dieu pour le bon l'argent. Pour mettre l'argent au service, gloire à Dieu. Ah, je ne vais pas faire peur. Parce que celui qui m'a appelé, il est en investi toute bagaille dans moi déjà. Bien aimé, mon Dieu, prends-moi loin moi-même. Mon Dieu, prends loin. L'enfant de Cité Soleil. Je suis de Cité Soleil. Donc on est très tôt, pendant ma grandie, très tôt, moi, j'ai une conscience aiguë dans la réalité politique et sociale en Haïti. Très tôt, moi, j'ai compris que l'ascenseur social en Haïti est bloqué. Depuis son Cité Soleil, on ne peut pas supposer en rien. On ne peut pas en monde. Lorsqu'on cite soleil, c'est comme si vous avez condamnation, lit ou écrit, tout tracé, il y a tempête, il y a scellé, ça fait arrêter, moun cité soleil, pas supposé, moun. Donc ça dit oui. Quand on vit dans le pays, l'ascenseur est bloqué. L'ascenseur social est bloqué, c'est origine qui détermine son palier. Ah ben, ou pas dans le café, non. Très tôt, nous avons conscience de réalité, ça. Je ne comprends pas si je ne suis pas plié en bas de Dieu, mon Dieu, par ça même, qu'a fait de la boulague, ma. Très tôt, je me fais prière, je me dis Seigneur, moi j'ai une situation, autour de moi, l'autre société se lève, il regarde de la tête aux pieds, mon qui tape, bon, mon gens, tout d'un coup, subitement, bagarre en virée, cité se lève, ou son bandit potentiel. Ou sont criminels potentiels, ou sont-ils volés en devenir. Non, je vous parle de réalité. Vous songez de m'avoir sorti l'école, de l'école lycée Toussaint, c'était toute l'école secondaire, moi, dans le lycée Toussaint, de 6e à philo. Je m'a fait 3e, pour aller entrer dans la seconde, les petits jeunes garçons, on commençait à le chômage, à le chita chômage, en vie, les petits filles qui ont passé. Pas qu'être belle, si mesdames qui vont sortir de l'école lycée Marie-Jeanne. C'est des jeunes filles, si mesdames habillées belles, offrées. Ou même c'est mon moment où mes petits français sont dans le bouchon pour aller parler français. Ben, elles sont comme connaît. Parler belles petits français. Des gros bagailles, ils ont un jeu de correspondance. Soit que belles petites lettres en français. Hein? Lever, malchant masse, c'est bon. Chaque vendredi, c'est ces programmes, non? Et pour aller rencontrer des petits mesdames, on ne voit pas les belles petits français fin de l'air pour ça. Même pas j'en plié, j'ai toujours mon bagage qui va me jouer en faveur. Parce que le pas les français apprend, regardez, demoiselle la contente, je n'en ai qui compte pas les français, on va pas parler, on va descendre sur tout son masse, descendre sous grand rue, on y a là, l'or il est sous grand rue, il faut chaque monde à la caille, il faut chaque monde pour un camionnette. Et camionnette, toi, à l'époque, t'es bien au minimum de gestion, t'es bien au minimum de régulation. Chaque camionnette, sous tête camionnette là, il dit mais côté camionnette là voilà. Les camionnettes qui va à Delma,
Il y a un camion qui va à l'aéroport, il y a un camion qui va à la cité. Je ne sais pas si c'est un problème. Les petits Français ne savent pas aller avant de me aller. Quand il y a la femme, comme je nous jette, je me cabre fort. Soit je fais 10 ans, je aller en avant, mettre dans la machine, sous prétexte que c'est garanti. Non, vas-y d'abord. Garanti, va vrai. Parce que il n'y a pas question pour le connaître quand vous allez. Ou bien, dans le cas inverse, moi je prends une machine d'Elma. L'homme est venu en route pour me descendre. Des fois, je vais chauffer à moitié comme là, à l'époque, c'était 3 gouttes pour ce machine. Je me dis, chauffeur, excusez-moi, je me trompe, je sais si c'est soleil pour aller, mais vous devez. Pour me descendre en route et puis pour m'aller prendre l'autre machine si c'est soleil. Parce que il n'est pas question que vous prenez machine si c'est soleil, la camion de temps devant, demoiselle là. Ou bien, on leur consécutait, on va garder des conneries et tout. Le mouvement est moitié route pour me plaquer, pour me descendre dans ta table. On va continuer à les plaquer. Plaquer à ce moment la machine à couille. Où est-ce que c'est mon qui a vu dans l'évangile lololo? Hein? Comme si, pour ça, pour gens qui ont investi dans moi là, où est-ce que dans l'évangile mélangé là? Amen. Amen. Ou plaquer. Plaquer, c'est pour pas garder comme un café, non? Pour entraînement. Faut que nous laisser plaquer, machin là, non? Pour qu'on va pour dérider assez. Et mon conscience du fait que lorsqu'on cite le soleil, on ne pas supposé monde. C'est comme si destinons tout tracé ou tout fini. Je dis Seigneur, Seigneur, m'a fait troisième, m'a fait second. C'est comme l'autre réalité, retour de mon retour. C'est comme si bon barrage. Dans le système éducatif, c'est un bon barrage qui fait, on ne va pas passer. Et le monde, 5 ans, il a fait retour. 6 ans, il a fait retour. Donc, à jamais tu as passé dans le baccalauréat. Mais, bien aimé, la loi comprend, mon Dieu fait. Oui, mais je n'ai pas dit tout le monde. Parce que, nos sociétés sont sorties, nos sociétés sont bloquées. Le monde n'a pas passé. Au contraire, si le Père ne dépasse pas son Fils, il n'y a pas de progrès. Ah, mais dans la société haïtienne, non. Si vous arrivez à dépasser papa, ou déjà son monde qui jeune en plus privilège. Parce que vie, supposez vivre plus mal que vie papa à maman. C'est comme sa société a dégradé. On dit Seigneur, nous connaissons. Je me levé dans ce soleil. Même les venir au monde demain. Nous avons mis le mal dans la caloria pour ne pas bloquer. Parce que nous prenons pile, monde, Jean Zoulan, nous faisons plusieurs années dans la caloria. Il y a un qui fait petit dans la caloria. Nous n'avons pas capable de la caloria. Ça fait dans la caloria, nous ne connaissons pas. Seulement, une société organisée pour bloquer nous. Le monde qui est intelligent, le jeune monde qui promet. Nous avons fait un bon technicien, un bon professionnel. Parce que la société a bloqué nous. C'est une question de philosophe. Pour faire météo, pour aller faire philo, pour carrer les têtes doux, philosophe. Vous n'avez qu'un bon jeune technicien, un bon jeune mécanicien. Mais bloqué, parce qu'on est sur fort pour philosophe quand même. Tout le monde bloqué. Quand on est demoiselle, on a gagné 14 ans depuis l'heure qu'on a commencé à descendre le baccalauréat. On vient joindre à descendre le baccalauréat, pour passer vite à chercher, descendre le baccalauréat. Il va jamais qu'à passer. Priez, petit Seigneur, fais route. D'arrêter, finissez sa étude ça. Et mettez mon service de travail. Bien aimé, mon Dieu prend. Je ne vais pas m'en quitter plus intelligent que rien. Songez depuis seconde, vous commencez à briller, m'a prié, passer cet examen. Au côté, vous songez le prêt de descendre philo. Vous avez fait philo A, vous qui songez bien. Le bras fait philo,
directeur est arrivé, le directeur dit c'est tout Saint-Anne, je vais les Yvalan, Espérance, probablement le cap tendait. Je dis, Jean-Abel, nous comptons sur vous parce que c'était une compétition en collège, en Timon lycée, avec Timon collège Bird, Timon Canado. Parce qu'on connaît lycée, c'est l'école publique. Qu'on y a là, sort Timon lycée, lui-même, tout ça, l'autre Timon est au baguette. On est obligé, quand des doublons, chercher quoi de bête là et voir le matin. Directeur René me dit, Jean-Abel, nous comptons sur vous. Dans philo A, nous avons même meilleur notre philosophie ancienne dans lycée à ressortir. Parce que mon tradition, c'est le collège Beul qui toujours gagne une meilleure note dans la question philosophie. Eh bien, il n'y a pas de pression. Elle dit, Seigneur, c'est vous qui faire. C'est vous qui faire. Jeune, fais mon Dieu sans vous. Fais mon Dieu sans vous. C'est pas pays qui fait mon, c'est pas milieu qui fait mon, c'est mon Dieu. Bon Dieu qui fait nous. Fais mon Dieu en nous. Et le bagage, bon Dieu, attendez la comprendre. Je dis, Seigneur, aidez-moi, qui fait route. Eh bien, bien aimé, bon Dieu fait route. Bon Dieu fait route. Bon Dieu fait route. Descend des tours, descend des kilos. Et puis moi, Jésus qui croisait par là, dit, on peut finir. Qui sont venus faire pour moi encore? Ou sont j'ai dit parole, nous t'ai gagné, pour mes soutes fait pour venir prendre travail, m'attendons. Bon côté du Seigneur, me voici, je m'abandonne. Je renonce à moi-même et dorénavant je veux vivre pour toi. Si mon monde aujourd'hui, c'est parce que c'est vous-même qui fait le monde. C'est pas États-Unis qui fait le monde. C'est Christ qui fait le monde. Je vais bien là, je vais vivre dans l'abondance, je vais vivre dans le manque, je vais vivre dans le luxe, je vais vivre dans le délabrement, je vais vivre dans le palais, je vais vivre quoi pour ça. Je puis tout par celui, alléluia, qui me fortifie. Dans l'économie de Dieu, trois principes. Le principe du renoncement à soi-même. Comment renoncer à nous-mêmes, bien-aimés? Ou renoncer à nous-mêmes, c'est même tout ça, bon Dieu, baron. Ou prendre, ou mettre au service de Dieu. Mounouyéa, les papous encore, tu ne t'appartiens plus. Maintenant, tu appartiens à Dieu. Bah, on est qui savent Dieu, tu pas où avant d'intercéder. Ou peut-être qu'on utilise pour poursuivre de leur intérêt. Qu'on y a tout ça, mon Dieu, bah, où c'est pour prendre ou mettre au service du royaume de Dieu. C'est connaissance dans mon Dieu, bah, où prends connaissance dans mettre au service du royaume. C'est l'argent, mon Dieu, bah, où prends l'argent, mettez au service du royaume. Qu'on y a priorité là, vous changez. Si avant ou t'es accepté Christ, vous avez de l'autre priorité. Qu'on y a vie ou vie ordonnée, de telle sorte que première priorité dans vie, c'est l'avancement du royaume de Dieu. C'est ça, où vous renoncez à vous-même. C'est le premier principe-là. Deuxième principe, le principe du chargement de sa croix, ou de la prise de sa croix. Dans le principe, charger quoi, ça fait toujours dans tête chrétien. Je ne parle pas de monde qui vient de l'église. Le monde qui a cherché, qui a suivi Christ. Non, ça fait dans tête, dans le principe de la prise de sa croix. C'est comment il a amené le monde dans la maison de Dieu. Parce que quand il y a lui-même, il fait partie de la maison de Dieu. Il y a un cœur pour regarder ça qui a passé autour de lui, qui souffre en ce qui est autour de lui. Il est toujours fâché moyen pour essayer d'attirer le monde dans la maison. Parce qu'il comprend que notre cas est bon Dieu, c'est là qu'il y a la vie. Est-ce que l'église a fait? L'on chargé de croix, il y a deux dimensions là-dedans. Bah, t'as même l'église mal comprendre. Chargé de croix, il y a le fait que nous tous qui sommes pécheurs, nous en bas, conséquences péché. Tant que nous vivons dans le monde, nous avons fait face à des situations. Accident, maladie, l'homme, tout ça aussi, de façon générale, conséquence péché. Et chaque monde qui l'a individuellement, on fait face à conséquence ça. Donc, dans le principe, chargé croix, non seulement on prend croix qui vient de péché général, là, ce qui est de bagarre, on croit subi, c'est à cause du péché dans le monde. Non seulement on prend croix pour là, mais on prend croix dans le monde tout.
Ou pas qu'un chrétien servit mon Dieu, c'est peut-être qu'on seulement connaît. Depuis ça, quoi, marcher, ça fait l'autre monde. Mon avons souffert bon, contre mon grand goût. Ou pas le bagage comme ça, parce que vous-même, moi, bien passé, je me suis dit dans l'engagement. Hein. Ou pas qu'un chrétien insensible, souffrance dans le monde, pas du moins rien. Ou pas qu'un chrétien, mon cap travail, avant, ou traiter au plus mal passé, bête. Ou pas qu'un chrétien, ou bien si mon cap travail, ou la caille, et si mon ça, si Saint-Anne, je ne l'ai pas payé, il n'y a pas de même traitement à petit tout. Il lève à 3h du matin pour préparer manger pour petit tout. Et c'est lui-même qui a donné plus tard parce qu'il faut que chaque assiette qu'il lave et clean avant de réussir son petit dormi. Et moi, il était tout chrétien. On ne va pas dans quelle sensibilité pour nous. Lors chaque jour de croix, c'est lors qu'on voulait pour nous, à partir de nous-mêmes, nous rentrer dans l'économie de Dieu, dans la maison de Dieu. Est-ce que l'église en est? Pas qu'un chrétien, c'est tout seulement ouais. Vous faites bel plan pour aller, bel budget, des belles bagages, bien établi. Les regarder pour aider les gens, zéro. Vous pas aider les gens, vous pas aider les femmes, vous pas aider les personnes. Vous besoin de tout bagage et vous seulement. Côte quoi, côté A. Le Christ est venu mourir, pas venu mourir pour pécher. Pas, il était venu mourir pour pécher moi-même. A. Il s'est chargé d'une croix, mais ce n'était pas sa croix, c'était notre croix. Vous ne pouvez pas aider les gens, personne, ni spirituellement, ni physiquement, matériellement, mon petit problème. On a besoin d'appliquer la loi de Dieu. Donc aujourd'hui, chercher bon travail, c'est bien. Chercher de faire bon genre économie, c'est bien, mais pour qui ça, finalement? Pour gonfler l'argent sur son banque? On va faire épargne, mais dans l'épargne, on va faire, on va retirer, pour on va aider, il y a des organisations qui ont fait de mon travail. Nous, maintenant, ici. Si nous c'est le monde qui te comprend, mon Dieu. Il y a les hominis, vous partez. À peine si vous voulez qu'on est ici. Et pas nous-mêmes, on ne va pas parler avec nous, on ne va pas penser. Si anglais, nous, si anglais, bien fait, non, on chaud. Soudainement, il y a des choses qui disent Haïti, Haïti, Haïti. Haïti, yo, Haïti, ça, Haïti. Haïtien, au bon gros pied par l'Islam Baptiste, il a proposé de faire ça à Haïti. Ne pas oublier quand on sortit, il est très difficile pour venir au monde de même. Amen. Amen. Oubliez quand on sortit. Mais même si on joue avec eux, moi, parce que je vais comprendre où est les gens. Où est les gens, où est les bonhommes, où est mon Haïti, où est ici. Dis mais ouais. Le principe de la prise de sa croix, ce n'est pas croix pour seulement, c'est croix monde qui est autour de vous. Il faut que mon cœur a souffri, l'homme qu'on a souffri autour de vous. Ou pas mon but seulement. Bon bagage où t'as fait, ou obligé de mettre le sou. Sous attente pour qu'elle dans l'autre monde. Au bon plan qui est en fait, c'est plan pour lui, pour nous-mêmes à trois mots. Mais bon, bah, qui demande ça, ou pas qu'à quitter le passé, ou senti que le cœur a tordié, tant qu'on pas fond bagarrer, ou pas à l'aise, ou c'est le monde qui a marché dans la suivance, ou fait partie de la maison de Dieu, parce qu'on a obéi la loi de l'économie de Dieu. Il aura raconté l'histoire d'une dame, qui m'a mis en nom. Il se trouve que dans mon soldat missionnaire, travaillant dans l'église, très impliqué, mais mariant, par contre mon Dieu. Mais dame ça prend une décision, parce que mariant, par contre mon Dieu, il va le marquer nos mains. Il va faire manger pour lui, il va laver le gâteau pour lui, il va faire rien pour lui, il va dormir avec elle, regardez, il va marquer. Je me disais, dame missionnaire, très spirituel. À mon service, la prater, la servir, mon Dieu, c'est mon Dieu qui est intéressé. Et puis, en même temps comme ça, maintenant, à l'église, dans mon prédicateur qui a prêché, le prédicateur a prêché, il dit, Marie qui n'a pas là. Il ne doit pas comme mon Dieu. Mais c'est ma roulée. C'est au pour aller. C'est au pour aller dans la maison de Dieu. Pour le vivre enfant de Dieu, même genre vous-même.
C'est pas dans les mauvais gens. Ou après, non, rien. Au contraire. Si on veut comprendre, il n'y a pas attiré les fourmis à vinaigre, il y a attiré les fourmis à sirop. C'est avec sirop attiré les fourmis. Là, on finit tant de messages, non? Mais pour une résolution, il va changer de bagaille. Et puis, je vois, on commence à parler en bon genre. Effectivement, j'ai pour monsieur, le monsieur a son travail, il est rentré, les types vont vous laver même. Ben, monsieur a un petit accueil, il va dormir avec monsieur, il commence à vous dormir avec encore. Monsieur a suivi, monsieur a pas comprendre, on va passer là. On se met passé, même amour. Deux semaines, même amour. Au bout de trois semaines, monsieur est là dans nous, monsieur dit chérie, mon bagage qui changé. J'ai l'impression ou changer mon Dieu. Parce que premier mot, j'ai dit, monsieur criminel en pile. Premier mot, Dieu t'a observé, monsieur criminel en pile. Qui va changer mon Dieu? Regardez, nous voulons mon Dieu ça. Quel est mon Dieu ça? Mon Dieu ça bon. Mon Dieu ça bon. Nous voulons mon Dieu ça. Nous allons l'église à mon dimanche. Il y a des bagailles. Lorsque vous qui portez croire pour la cause de l'évangile, ou bien un homme qui ouvre pour ramener mon Dieu. Mon Dieu. Et nous commençons là, caillou. Notre travail là, on cherche une opportunité de guérir pour ramener au monde vers mon Dieu. On ne peut pas faire long, mais on l'a ouais, ça c'est une bonne possibilité pour le monde qui ne parle pas de mon Dieu, de rentrer dans la maison de Dieu ou aller dire extra step so that you can win that person for Christ. Prochain jour de quoi? Chaque jour de quoi? Quoi, c'est pas quoi pour seulement dire, c'est quoi mon tout, beaucoup de tout. Comment on a attiré mon pour Christ? Charger, se charger de sa croix. Troisième principe, c'est le principe de suivance. Rentrer dans la suivance. Principe suivance, non. Pas oublier ça, la parole de Dieu dit, Jésus-Christ, le Seigneur qui a parlé, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le principe de la suivance, c'est l'obéissance à Dieu. Ou rabaisser ou obéir à Dieu. C'est ça qu'il fait. Il descendit jusqu'à la mort de la croix. Pendant l'autre monsieur, il pensait qu'il allait rentrer en guerre, entrer en confrontation. Il est populaire, il était capable de soulever le monde. Il y en a qui était en épée, qui a filé. On descend de Jérusalem, on a le pouvoir. Il dit non, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous descendons loin de l'obéissance pour aller à la mort de la croix. Le principe de la suivance dans l'obéissance. Et l'on finit tout texte là. On finit trois principes, ça y est, au principe renoncement. On finit principe charger ou de croire, le chargement de sa croix ou la prise de sa croix. On finit principe suivance là. Libre à le résumer tout principe. Yo. Le principe de qui perd, gagne. Sous perdu pour bon Dieu ou à gagner. Et sous les gagner, pourquoi peut-être pas ou à paix, c'est ce qui permet. Bien aimé, plus encourageant maintenant. Il y a un plan de Dieu pour ce qu'il a appelé. Le plan de Dieu pour toi, c'est pour rentrer dans l'économie de Dieu. Mon Dieu, vos maisons qui bâtissent, le royaume de Dieu est établi. Ça le voulait, livré ou même pour rentrer dans l'économie. Pour renoncer à quoi peut-être pas. Marie ou pour qu'on ait un modèle pour lui. Madame ou pour qu'on ait un modèle pour lui. Mon nom travaille comme bon mauvais gens. L'homme, pourquoi les gens ne pas résister à l'amour de Dieu, bien aimé. Lorsque sont vecteurs de l'amour de Dieu, nous n'avons pas besoin de si c'est raciste, redneck, net, la vie aussi au fond fin du Texas. Il n'y a pas résister à l'amour de Dieu. Résister à l'amour de Dieu. Je vous mets en défi. Rentrez dans l'économie de Dieu en ce matin. Renoncez à vous-même. Chargeons de croix et suivez le Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Notre Seigneur et notre Dieu. Merci Seigneur pour ta parole en ce matin. Nous voulons, Seigneur Dieu, entrer dans ta maison. Nous voulons, Seigneur Dieu, vivre pour toi. Nous voulons la vie, nous, Seigneur Dieu, sous autel complètement consacré. Pour nous vivre pour nous-mêmes et pour nous-mêmes seuls. Gagne au cœur, Seigneur Dieu, qui veut comprendre parole ça ou parole ça ou pénétrer
et que aujourd'hui en son nouveau jour, et qu'à partir de ce maintenant, il y a approché le royaume de l'autre champ. C'est prière, mon Père. Fais ça, nous pas qu'à faire. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.